L'histoire, c'est vraiment donc c'est Jack le fameux enquêteur. C'est la bande dessinée Jack le fameux enquêteur. Il part à la recherche des couleurs de Betty, qui est chanteuse de cabaret, qui vient le voir dans son bureau parce qu'elle a perdu ses couleurs. Voilà. D'où le titre Serial Couleur. Une enquête policière, polar années 50, un peu comics américains. Dans cet esprit-là, quoi. Donc c'est avant tout des images, mais des images vivantes. On n'a pas utilisé une seule fois une image vidéo, mais plutôt des principes archaïques de la position d'images peintes en direct, avec toute la méthode artisanale qu'il peut y avoir au théâtre. Donc c'est une manière un peu inédite de présenter une bande dessinée. On joue avec le personnage, avec les personnages de la bande dessinée, c'est-à-dire à la fois peints, personnages en deux dimensions, quoi, peints, et personnages qui sortent de la bande dessinée, qui deviennent des comédiens. Un peu ça le principe. Donc on va passer à chaque fois dans le spectacle de l'un à l'autre. L'image était tellement persistante que je me suis dit qu'elle n'était pas un image.